Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième jour en Norvège. Le thème de la journée va être le transport. Pourquoi les transports, me direz-vous? C'est tout simple, parce que nous avons 12 heures de transport aujourd'hui. On va traverser le pays de Oslo jusqu'à Bergen. Ça devrait être plutôt intéressant. Et c'est pas n'importe quel voyage, on est censé faire le voyage en train le plus beau au monde. Donc j'ai hâte de voir ça, je suis plutôt exigeant. Bon alors pour l'instant la météo est pas ouf, j'espère que ça va se dégager un peu histoire qu'on puisse apprécier pleinement le paysage. Rien que là c'est déjà super, on peut voir les arbres qui commencent à changer de couleur un par un, c'est vraiment beau. Le temps est en train de s'éclaircir un petit peu. Ceci est une gare, en plein milieu d'un paysage comme ça. Ok, donc là c'était le train qu'on a juste pris. On a fini... Le train là il faisait 4h30, là on va encore prendre un train de 1h qui va monter descendre, vous allez voir ça va être plutôt joli, après on a 2h de bateau, 1h de bus et encore 1h de train. En fait le train qu'on a pris là c'est un train touristique qui nous amène dans une vallée avec un fleuve au bout, ça va être super joli, mais le train... Il y a tellement que des touristes qui le prennent que la voie à l'intérieur elle est en chinois. 左手下方，您可以看到 1667年建成的弗洛姆教堂， 矗立在老弗洛姆镇的中心。 On a fini notre petite balade en train, c'était plutôt sympa. Maintenant on a 2 heures de bateau. Alors ça c'est un hot dog norvégien, vous voyez le, au lieu d'avoir du pain il y a une espèce de faritas. Je vais goûter voir si c'est bon. Bon là ça fait à peu près une heure qu'on est dans le bateau. Les nuages là sur les montagnes sont carrément stylés. J'ai dit tout à l'heure que c'était un fleuve, mais en fait ça s'appelle un fjord et c'est la mer qui vient passer entre les montagnes. La chute d'eau à votre droite est la Sockfossen, une des plus grandes chutes d'eau du Nadøyfjord. Là on est au niveau zéro, on est au niveau de la mer et cette montagne là elle fait 1800 mètres de haut. Alors on la voit pas complètement parce qu'elle est cachée par les nuages, mais regardez ça déjà. 1800 mètres. Salut à tous, c'est Maël. Donc Malo dort là actuellement, je lui ai volé sa caméra. Bon alors là on vient de sortir du bateau, il nous reste encore une heure de bus et une heure de train et on est arrivé à Bergen. Ok, on arrive à Voss. C'est la fin du bus, il nous reste encore une heure de train avant qu'on arrive à Bergen.
Enfin arrivé à Bergen. Après 12 heures de voyage, on va pouvoir aller trouver notre appart, manger et puis dormir. Hop, c'est bon, on est arrivé à l'appart. On est crevé. Découverte de l'appart. Normalement, il y a 3 chambres et tout, c'est fou. Là, on est bien. Dans l'autre hôtel qu'on avait en début de semaine, on avait juste une pièce. C'était une chambre d'hôtel. C'était une chambre. Bon, voilà, c'est la fin du vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Aujourd'hui, c'était un jour de voyage, voilà, on avait 12 heures de voyage en tout, parce qu'on allait d'Oslo jusque Bergen. Aujourd'hui, on est à Bergen. Enfin, là, maintenant, on est à Bergen. On est enfin arrivé à notre appart, ça fait du bien de pouvoir se reposer un petit peu. On va manger et après, on va aller se coucher. Sur ce, on vous dit portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.